Salut tout le monde! C'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien. c'est très particulier ce qui vient de se passer. Voilà, je vous le dis, YouTube, c'est très particulier. Nous sommes un jour, un grand jour. Nous sommes le 30 septembre, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour enregistrer l'épisode 7, 8, je ne sais même plus, 8 je crois, d'Alien Isolation. Et comme vous pouvez le voir, il est tard. Les gens sont très nombreux dans le chat. Merci à tous d'ailleurs. Faites un petit coucou YouTube, il y a beaucoup de cœur. Voilà, il y a à peu près hors taxe 1700 subs qui viennent d'être offerts en une heure de la part de la communauté. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je tenais absolument à commencer sur cet écran-là pour que vous voyez l'euphorie de ce chat et les dingueries qui ont été faites. Donc, merci beaucoup Twitch. Voilà, maintenant c'est gravé sur YouTube dans l'aventure Alien. Merci infiniment Twitch pour tout ce que vous avez fait, évidemment. Merci infiniment ma commu pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été juste insane et incroyable. Et on est parti. Ça y est, pour le record donc de l'épisode 8 d'Alien. Waouh! C'était très tendu. Vous m'avez régalé, Twitch. Et YouTube, bah voilà, comme quoi, vous voyez, YouTube, venez sur Twitch, parce que regardez tout ce que vous loupez littéralement des dingueries. Souvenez-vous, on s'est arrêté juste ici, il y avait l'alien qui était venu nous casser la gueule direct à domicile. On était venu récupérer le plan des Molotov juste sur la table en face à gauche. On va le récupérer et on va courir, se cacher, se mettre à l'abri. Évidemment, changement d'ambiance, vous m'avez régalé, je vais essayer de vous régaler. Là, on est reparti dans l'horreur, ça risque de swinguer. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. On devait courir par ici, je m'en souviens très très bien. Ah ! C'est derrière. Oh non. Ok. Ah oui, c'est pas la même ambiance, hein. C'était bien il y a 5 minutes aussi, hein, avant que je lance le record, hein. Ça va, toi? Bah moi, ça va, écoute, on survit. Pardon? C'était quoi, ça? Oh là là. Peut-être avoir besoin d'eau dans pas longtemps, je commence à avoir la pâteuse. Oui. Oh.
réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Ok, je bois un coup. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Ouais, je suis pas le gars le plus serein là. On cherche plus de discussion là. Hein. La tâche de santé. Ah oh oh putain. Ah ouais. Les yeux, je m'en bats les couilles. Si je ferme. Adieu. Oh putain. Ok. Bon. On va y arriver. On va peut-être pas courir quand on passe finalement. Quel connard aussi, lui, hein! Il pourrit ma game depuis tout à l'heure, là! Adieu, les gars. Hey, ouais, c'est bon, je suis mort. Je suis mort, GG. Ah ouais, faut recharger combien de temps là, mon ref? Ok. Oula, j'ai un menu bugué là un peu là, non? C'était où déjà? Oh non, c'était là.
Adieu. Oh, c'est pas vrai. Putain, c'est toujours soit un humain qui me casse les burnes, soit l'alien, quoi. Le choix était restreint. Ok. C'est pas vrai, putain, toujours le même. J'ai dû rêver. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Il y a mon daron au-dessus là. On ira récupérer la carte tout à l'heure. J'arrive pas à croire que ces ordures m'aient viré. Ok. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Putain, sa voix, elle me dit quelque chose de ouf, les gars. C'est dans quoi, déjà? C'est dans un animé? Non, non, c'est pas dans un animé. Putain, sa voix, elle... c'est dans un jeu vidéo, je crois. C'est pas Otacon? Sa voix me dit quelque chose de ouf. Ah, Vegeta. Ok. Pardon ? Je sais que t'es là. Des humains ici ? Allez, montre-toi à la fin. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai accepté ce contrat ? J'espère vraiment que t'es humain. Yo, mon pote. Je veux pas de toi ici. Comment il a su? Comment il a su, s'il vous plaît? C'est quoi cette phase des enfers, là? Comment il a su, là? Une info, là. Je veux l'info, là. Détecteur, juste le bip? Changer. Il y a l'autre connard toujours là-haut. Allez, mon ref. Ripley,
J'en profite pour craft tout ce que je peux. Ça va libérer l'inventaire. J'ai obligé de faire ça à chaque fois, mais bon. Bah les couilles, hein, c'est la street. C'est tendu, Natacha. Hein. C'est devenu un enfer en arrière-temps. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Ma smoke, elle était flinguée. Ça a servi à rien, mon ref. Je suis dégoûté. Ça va m'apprendre à vous écouter, bordel. Pardon, c'est pas ici que je devais aller. Oh, j'ai le sumo. C'est pas vrai. Je jette la smoke où je dois aller, j'ai le seum. C'est pas possible. Je dois aller où là ? Il était parti. Je suis un connard. Pire timing. Il part. Pourquoi je suis mort ? Ok. Les gars, j'ai pas envie de lire tout ça. Hein. Morley, ici Lingard. Suite à l'incident, les Marshalls veulent qu'on interdise l'accès au centre médical. Oh non, je suis mort. Ils amènent une équipe pour découvrir. Je suis un connard, ça me gonfle ! Ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont des filets. Je suis mort, putain. Médical provisoire à l'extérieur.
C'est pas possible. Ne laissez pas Cullman vous amadouer. Ce n'est pas envie d'avoir à gérer ces auto-prescriptions avec le Marshall Waits qui nous tourne autour. Ouais, bah ouais, GG à toi. GG à toi la tête que t'as, mon ref. Attends, j'ai peur de faire tomber mon verre s'il me trouve. Non, je suis mort. Il m'a. GG à lui. Voilà. GG à lui, ça a été le meilleur, j'ai rien pu faire. Bien joué, gros, t'es le boss. Ok. Sur un malentendu. Ok. Oh, la vie est faite de malentendus. Oh, je suis mort. Oh, mais gros, ça a abusé. Vas-y, ça a abusé, frère. C'est abusé, ça. La chance de quoi, les gars? Il savait très bien, il est revenu juste pour me botter le fion. Eh, je vais pas y arriver, c'est trop. J'ai le chemin en tête, hein, mais putain. Terrible, hein. Ok, j'ai le chemin en tête. Effectivement. J'ai le chemin en tête. Hop, on va refaire ce qu'on peut. Dernière tentative. Ouais, ça m'embêterait d'enregistrer un épisode et pas avancer du tout, quoi. Est-ce que vous croyez que c'est parce que j'avais... Mais c'est chiant, en fait, que quand tu t'équipes d'un truc, ça allume la flamme et tout, tu vois. Je sais que t'es là. Non mais c'est pas possible. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins. Allez, montre-toi à la fin. C'est pas possible, ça. Frérot, je vais sortir, je vais t'éclater la gueule. J'espère vraiment que t'es humain. Je m'en fous de qui tu peux être. Je veux pas de toi ici. C'était rien. Tout va bien. Frérot, allez, où sont tes morts? Ah ouais, j'ai tendance à m'énerver quand ça fait pas tout ce que je veux. Je pense que vous l'avez cramé. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Elle est où la seule sortie possible? Ici, là ? Ripley,
plaît, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Je crois qu'on n'est pas seul. Ne les laissez pas s'échapper. Oh zut, c'est trop frère. Ah ouais, d'accord, je suis mort en ouvrant la porte. C'est trop les gars, oh. Eh vas-y, je vais pas y arriver. Hein. Vas-y, dernière tentative là. Ça me gonfle, ça me gonfle. Ça me gonfle, je m'énerve moi-même là. Il a ramené tous ses potes, les smokes, il en a rien à péter. L'autre, il va encore me localiser à 4,5 km. Allez. C'est une belle anesthésie. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrimage. C'est bon, je crois qu'on va y arriver. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. Je crois qu'on va y arriver. Il y a forcément une procédure d'évacuation. On n'a jamais été aussi loin, bordel de merde. Il y a des bots. Non, attendez, il va y avoir un moment où il y aura bots et aliens là ?
Je me fous en l'air. Hein. Ça sert à rien de continuer l'aventure. Hein. Oh là là, putain. Les amis, on a fait... Quoi ? On a fait 2 mètres. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur, on va pouvoir s'arrêter là. Oh là là. Oh, attendez. Ici, on fait les fous. Ah mais ça va allumer les robots, non ? Mon ref. Ouais, c'est pas ton jour, hein. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'en ai aucune putain d'idée. Ah putain. Oh non. Ok. Et je peux pas passer par là parce qu'il est là. Ripley, est-ce que ça va ? Bah. Ripley. Pas maintenant. Ouais, mais si je shave, je suis mort. Qu'est-ce que c'est ? Dégage. Ah.
Oh là 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 là, c'est tendu, Natacha. Vous et moi allons nous entretenir au sujet de la sécurité. Désolé pour les crises d'épilepsie. En termes de panique, on est pas mal, hein. Quelques... Ma mère que j'ai peur.
J'ai trop peur. Oh merci. Oh là là. Save, hein. Ok. Bah, je comprends pas. Échappez-vous. Je te mets. Attends, parce que. Non, mais je dois être teubé là. C'est mon côté un peu. À mourir, hein. On m'a dit, t'as une échelle en face de toi. Ah, oh là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, putain, fallait la voir, hein. Ok, ok, ok. Derrière les tuyaux. Très bien. Oh non. Abusons pas. Bon, niveau vie, c'est pas le feu, hein. Faut que je mûne. J'ai passé depuis tellement longtemps. J'ai passé depuis tellement longtemps. Là, il faut que je save vraiment, hein. J'ai peur, hein. Ok. C'est mieux quand c'est calme. On est sur un décès probable. Je veux juste save, moi, les gars. Ça, faut le savoir. Ah, la save après la cutscene est prise en compte? Vous êtes sûr? Pas besoin de save, donc? Il y a bien une save quelque part ici, non? Ah, à l'ascenseur. À l'ascenseur, à l'ascenseur. Dès que je vois le magnéto en haut à droite, je serai rassuré. À l'ascenseur, tranquille. Allez, on va s'arrêter là. Bon bah YouTube, ça a été bien plus long. Quand vous avez cru qu'on allait s'abandonner, on s'est pas abandonné finalement. Et là, il y a une save. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Gros bisous. Et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous YouTube, ciao, ciao.